Depuis plusieurs semaines, les bourses européennes évoluaient à la hausse. Les investisseurs attendaient et anticipaient une action effective de la part des banques centrales pour contrer le ralentissement économique mondial. Eh bien, cet espoir s'essouffle et la tendance est désormais à la consolidation. À la clôture aujourd'hui, le CAC 40 recule de 0,61% à 3 435 points. À noter que les volumes d'échanges sont très très faibles et ne s'élèvent qu'à 1 milliard et 741 millions d'euros. Alors, des signes du ralentissement économique mondial, on en retrouve un peu partout. En Europe tout d'abord, ou en Allemagne, l'indice des prix à la consommation a augmenté, mais pas autant qu'attendu par les analystes. En France, les chiffres de la production industrielle sont ressortis stables sur le mois précédent, alors que les spécialistes attendaient une augmentation. Et enfin, sur le marché de la dette, les taux obligataires espagnols à 10 ans se tendent à nouveau et se rapprochent encore de la barre critique des 7%. En Chine aussi, l'excédent du commerce extérieur s'est fortement contracté le mois dernier, après que les importations aient augmenté bien plus que les exportations. On attend donc une action de la Banque centrale chinoise, peut-être ce week-end ou la semaine d'après, mais c'est désormais la Chine qui fait l'actualité. Sur le front des valeurs, les bancaires évoluent en ordre dispersé. BNP Paribas et le Crédit Agricole évoluent à la baisse, tandis que la Société Générale progresse de 1,03% à 20,07 euros.